Ok, c'est bon? Ok. Du coup, bonjour à vous tous. J'attends encore genre 2-3 secondes que les gens se connectent. Bon, déjà pour ceux qui sont là, du coup, pour aujourd'hui, vous avez besoin de rien, les gars. Vous prenez juste votre tapis, bouteille d'eau, un essuie, parce qu'on va transpirer, on va faire plein de squats. Voilà. Donc, je vous explique rapidement la séance qu'on va faire aujourd'hui. On va bosser principalement en superset. C'est deux exercices qui travaillent des muscles de parties du corps différentes. Donc ici, on va faire chaque fois un exercice de la sangle abdominale et un exercice de bas du corps. On enchaîne et on ne fera aucune pause. Okay? Donc il y aura un exercice bas du corps, un exercice de la sangle abdominale, puis on recommence le même exercice bas du corps, etc. trois fois et aucune pause entre. Vous allez seulement avoir des moments de pause entre du coup, les super séries pendant lesquelles je vais vous expliquer chaque fois le suivant. Donc, soyez attentifs, respirez, prenez un bon coup, buvez, mais gardez un œil parce que je vais chaque fois vous montrer au fur et à mesure. Ok, la partie sur le bas du corps, elle sera en deux fois, enfin en deux exercices différents. Il y aura un exercice plus calme et un exercice plus dynamique pour vraiment aller un peu stimuler tout ça. Quoi. Ça va? Tu peux lancer. On est parti. Ok, on commence avec la tête, les gars. Faites pas les tours en cul, faites sur les demi. C'est un truc de western. Thank you.
amis. Ok, quand ça roule, on essaie de descendre un peu plus bas. Yeah.
Regarde vraiment bien loin devant, on gagne bien les abdominaux et on remonte. Ok? On y va, cool. Je fais mes 12 d'un côté, je fais mes 12 de l'autre, jusque-là, normal. Ensuite, on repasse au milieu et on est parti pour fente, squat, fente, jump squat, fente, squat, fente, jump squat. Ok? En tout, on fait 6 jump squats. Ça va? Donc c'est cool. Ok? Dès qu'on a terminé, on se met au sol. On va faire l'exercice du dead bug. Donc, deux options s'offrent à vous. Soit si vous avez une bonne coordination, vous travaillez en opposition. Donc, je vais abaisser une jambe et le bras opposé. Je remonte, je fais l'inverse. Ok? Le but, c'est pas d'aller vite. Vous essayez juste d'aller vraiment chercher le plus loin possible en contrôle. Donc, vous rentrez le nombril, vous gardez le dos au sol et vous expirez pendant l'ouverture. On remonte, on relâche. On prend une grande inspiration. J'ai mon dos au sol, mon nombril rentré. J'expire et j'allonge. Si de travailler en opposition, c'est un peu compliqué, vous faites juste avec les deux bras ensemble. Ça fonctionne. Ok, ici, je ne vous donne pas un nombre de répétitions à faire. Vous avez une minute pour en faire, pas un maximum, mais pour en faire et les faire bien. Ça
Ça roule. On est parti, les gars. C'est un peu la pire, hein. 3, 2, 1. Parti. 1, 2, 3. Pense à respirer, hein. 4, 5. Fais les abdos, regarde devant. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Je fais. 1. Descends lentement. 2. 3. 4. 5. 6. Regardez vraiment devant, ça aide. Hein. 7. 8. Bien plier la jambe de pied. 9. 10. 11. Et 12. Ok, on est parti. On commence en prenant 3 et 3. 2. 1. On y va. Pense, attention, j'aime. 1. Okay. One. Two. Three. Four. Five.
c'est parti. J'inspirons. Et j'expire pendant l'ouverture. On rentre le nombril. On garde le dos à plat au sol. On n'essaie pas d'aller trop vite. This is the rhythm of the night.
hyper glamour, tout ça. Donc, on termine par des doubles donc équipes. On va en faire 12 par jambe, ok? 12 de la même jambe, on n'alterne pas, ok? Dès qu'on a terminé, on part sur 30 secondes de gainage latéral à gauche, enchaîné sans reposer les genoux, en gainage latéral à droite, ok? Alors, pour le donkey kick, on monte, on a le pied vraiment à plat. Imaginez, il y a une surface au-dessus de la tête, genre un plafond bas. Vous devez vraiment essayer de venir repousser ce plafond, ok? Vous allez monter, insister, descendre lentement la jambe. Ça ne sert à rien de la relâcher comme si c'était un vieux poids lourd, ok? Vous l'accompagnez dans sa descente et vous renchaînez. Ça ne sert à rien non plus de venir cambrer le dos au max parce qu'après 3-4 reps, vous allez avoir une chaîne mal au lombaire et franchement, l'exercice sera mal fait, donc c'est pas du tout bénéf. Essayez de garder le dos un maximum plat possible, bien gainer vos abdominaux, ok? Si ça ne va pas sur les mains, vous pouvez vous mettre sur les coudes, ça va? Donc, je fais 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre, directement j'enchaîne, je me mets en gainage latéral. Trois choses auxquelles il faut bien faire attention pour le gainage latéral. Donc déjà, vous avez trois positionnements différents. Soit sur le genou de la jambe du dessous, soit les jambes décalées, donc enfin, un pied l'un derrière l'autre, soit les deux pieds l'un sur l'autre. Ok, ça c'est vous qui voyez. Ok, merci. Merci. Je vais me casser la gueule devant vous. Ça ne changera pas d'habitude. Ok, maintenant j'ai un petit coussin douillet. Donc, on vient vraiment sortir la poitrine, mettre les fesses vers l'avant. Il ne faut vraiment pas sortir les fesses, ok? Ensuite, deuxième chose, on a souvent tendance à être trop en gainage latéral. On descend, ok? Troisième chose, je rentre le nombril au max et je viens vraiment bien contracter ce qui vient me supporter ici en dessous. Ok? 30 secondes, je change. Et etc. Directement, on se remet en donkey kick, on est parti. Trois séries, boum boum, on enchaîne. Plus de pause jusqu'à la fin du cours. Prêt? Ok. 3, 2, 1. Let's go. 1, 1. Relâche doucement. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Power, work is never over. 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 Power, work is never over.
tout ça pour
I'm
Et vous pouvez aller chercher loin devant avec les mains. Sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap bill. Let's go. Ce brawl là.